Salut à tous. Pardon. Alors, on commence super fort. Épisode 2 de Subnautica. Vous avez pu voir en bas à droite ce cher Spectro qui a des tendances gays. Hein. Je l'aime aussi. Voilà, donc retour sur Subnautica. Après notre premier galop d'essai où on avait commencé à récolter un tout petit peu de ressources. C'était pas ce que je voulais faire. Le vaisseau, l'Aurora, avait complètement pété. Ah, donc là, il est complètement pété. Et le but de notre petite mission d'aujourd'hui, ça va être surtout d'aller chercher de quoi créer la soudeuse, de récupérer un maximum de composants. Alors, composants, quand je parle de composants, je parle de ces fameux fragments que l'on avait. Oula, attention. Voilà, ceux-là, là. On va pouvoir les récupérer. Il va falloir qu'on récupère aussi de la matière pour créer nos palmes. Hein, déjà des palmes. Ce serait plutôt pas mal parce que si on crée des palmes, on pourrait avoir. On pourrait déjà aller beaucoup plus vite sous l'eau. Ce qui nous arrangerait pas mal. Ah, c'est génial, ils ont carrément refait le. Ah ouais, ils ont carrément tout refait. Mais c'est génial! Alors vous voyez, bah, comme j'avais dit, hein, un des objectifs que l'on avait en priorité à refaire, c'était effectivement la... On devait recréer, enfin de refaire carrément toute l'encyclopédie. Oula, il s'est barré. Toute l'encyclopédie donc de ce fameux... de cette faune et cette flore de Subnautica. Alors on va s'y mettre tranquillement. Regardez-moi ça, il y a un œuf. Ouh. Un œuf de créature. Alors... Je vais pas m'attarder sur les œufs de créatures parce que pour l'instant je n'en ai pas vraiment besoin. Mais je vous expliquerai exactement à quoi ça sert par la suite. Alors forcément hein, quand on dit œufs de créatures, c'est forcément les fameuses créatures que vous avez un petit peu tout autour. Alors je pense que ça c'était un œuf de ces fameuses créatures là. Voilà, les créatures qui balancent des bouboules toxiques. Ok, donc j'ai plus beaucoup d'oxygène, je remonte vite fait. Voilà. On refait le plein et on est reparti. Allez. Alors cette fois, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et essayer de casser un peu plus de ces petites choses là pour obtenir de la matière. Je crois qu'il manquait du cuivre pour faire justement des outils très très pratiques. Ouh la vache. Ah bah on est tout près d'une. Ça fait un bruit monstrueux dans. On est tout près donc d'une grosse source de chaleur, hein. Donc il va falloir faire très attention. Parce que l'eau chaude, hein, c'est pas la joie. Vaut mieux pas s'en approcher si on veut pas se faire allumer. Alors, il y a des. Voilà, il y a ça à faire. Toujours les analyses, hein. Je fais toujours des analyses. Et là, on va aller très très vite pour les faire. Histoire d'avoir. Voilà, j'avais aussi eux, les fameux jumpers. Je peux analyser. On aura beaucoup beaucoup d'informations à avoir. Ça nous permettra. Alors, minerai d'argent. C'est quoi ça? Le minerai prendrait autant de place? C'est pas possible. Moi, je vais au filtrer. Et ça, c'est. J'ai que du minerai d'argent, mais c'est pas vraiment la matière qu'il me faudrait maintenant, quoi. Alors, c'est très intéressant d'en avoir, c'est sûr, mais là, c'est pas le. C'est pas la chose qu'il me faudrait en particulier. Alors, la nuit approche. Ça, c'est une mauvaise chose. Enfin, pour nous, surtout. On va aller mettre ce qu'on a récupéré dans notre nacelle de survie. Histoire, déjà, de se faire un petit peu de place. On aura de la matière, hein. Ça, c'est clair. On aura de la matière à travailler. Oh, ces frises de générer. Cette map qui se génère, c'est une horreur. Attends, normalement j'ai jamais eu de problème et là j'en ai. Bon, c'est pas trop dramatique. Alors, transformer déjà la matière. Ça, c'est bon. Le quartz en vert. Pour la plupart, je pense qu'il faudra de toute façon du vert. Et sinon, pour l'équipement que je voulais, c'était des palmes et caoutchouc en silicone. Alors, caoutchouc en silicone. Et il me faudrait comme outil. Ok, il va falloir beaucoup de caoutchouc en silicone. Ok, d'accord. Alors voyons.
Le verre, le titane, ça, on le met à l'intérieur. Le minerai d'argent, on n'en a pas besoin. Le sel, on va le garder. On va garder un peu de quartz. Ça, c'est toujours bon. Tout ça, on peut garder. Magnifique, ok. On est reparti. Allez, c'est pas grave. Même s'il fait nuit, c'est pas un drame. On peut y aller. Je vais cependant. Allez, voilà, par là. Alors, pour faire du silicone, je crois qu'il me faut les fameuses graines. Mais problème étant, c'est qu'il y a également ces bestioles-là, vous voyez. Il y a de sacrées bestioles, plutôt méchantes, on va dire, ouais. J'ai pas intérêt à me tromper. Surtout pas intérêt à trop me faire voir. Sinon, je suis bon pour y passer. Et encore heureux, j'ai des. Ouh là là. Putain, il m'a fait peur ce con. Allez, on ramasse. Des vignes. Voilà, on a des graines. Ouah, ça prend trop de place. Ça prend vraiment trop de place. Je peux te. Allez, ah, ça va trop vite ces petits trucs. Ça va trop vite. Quoique, si j'arrive à le choper. Y'a là, y'a là. Non, il veut pas. Faut que j'attrape par. Oh, panneau solaire. C'est bien ça pour commencer une base. C'est vrai que là, j'ai pas trop. Seaglide. Là, ça c'est cool ça. Ah, le Seaglide est déverrouillé. Bah, c'est génial. Si le Seaglide il est déverrouillé, ça veut dire que je peux déjà aller beaucoup plus vite sous l'eau. On va essayer de voir si on peut déjà le créer, le crafter. L'idée serait pas mal. Et c'est quoi ces frises incroyables? Sérieux? Enfin bref. Donc, on a donc des outils. Ah non, c'est peut-être pas ça. Déployable, Siglite. Pile, lubrifiant, fil de cuivre. On n'a pas de cuivre. Non, ça c'est une horreur. Pas de cuivre, c'est un peu la galère. Donc, on a caoutchouc. Alors, caoutchouc en silicone, ça il nous en fallait. Il en fallait au moins deux. 3 si je compte quand même le. Bah ouais, de toute façon on a les 3, bah c'est parfait. Voilà, donc maintenant un outil, on peut faire le fameux couteau de survie qui sera indispensable pour la suite et surtout pour nous protéger. Et les palmes, voilà, que l'on peut, on s'équipe directement. Voilà, c'est équipé donc on a déjà. On est déjà bien équipé là. Le couteau, je vais le mettre en deuxième, ça en troisième et ça en quatrième. Voilà, donc les palmes c'est bon, tout ça c'est bon. Je pense, alors, équipement, maille de fibre. Ça c'est couper les. Il faut couper les fameuses algues et le plomb par contre. Alors le plomb, j'avais récupéré un plomb je crois. Ouais, une plaque de plomb. Donc si j'ai une plaque de plomb. Il va me falloir énormément de choses en fait. Quand je regarde bien les outils, rien que pour les outils, déjà, bon, il me manque pas mal de piles. La soudeuse, elle serait super intéressante. Mais le mieux, ce serait quand même le cutter laser. Et là, un diamant, je vais avoir du mal. Alors, au niveau des équipements, combinaison anti-radiation, maille de fibre, ok, et il manquera du plomb. Si ça je peux le faire, je peux me rapprocher de l'Aurora. Mais le problème c'est que si je me rapproche de l'Aurora, je me rapproche également du danger. Et mais c'est incroyable. La map se génère très très mal. Alors c'est vrai qu'on va quand même un tout petit peu plus vite sous l'eau. Ah, je t'ai chopé toi. Couper la vigne orine avec un couteau. Bon bah on va faire ça. Voilà. Est-ce que ça prend beaucoup de place? Ah, ça prend énormément de place, ces conneries. Ça prend énormément de place. Ça sera pratique. Du titane. Qu'est-ce qu'on a là? Du cuivre. Ah, voilà. C'est du cuivre, ça, je crois. Je vais remettre la dent là.
Il me faut de toute façon du cuivre, hein. J'en ai besoin, il me faut des piles, il me faut des outils. Ok. Ce que je vais faire, je vais peut-être analyser cela, parce que je les ai pas analysés encore. Allez, viens là. Je peux pas t'analyser? Non, je peux pas t'analyser, bon d'accord. C'est pas grave. Les débris peut-être, je peux les analyser. Et je peux. Magnifique. Débris épars. Le boomerang, on peut l'analyser aussi. Play the fish. Arrêtez de bouger. Le boomerang, forme de vie alien. C'est pas mal en fait. L'entrée de l'encyclopédie va nous apprendre énormément de choses sur, sur la faune, hein. Et sur toute la flore. Alors, on en était donc, on avait récupéré notre cuivre. Donc qui dit cuivre dit la capacité de faire. Oh putain, si j'ai qu'un seul fil de cuivre à faire. Non, c'est pas possible. Bon là il me faut des champignons, pas de choix. J'en ai pas plus que ça, non. Bon, allez hop, c'est reparti pour un tour. Des champipis, des champignons. Toi si tu me balances ton truc dégueulasse à la gueule. Ah mais mon inventaire est plein, mais je suis vraiment naze. J'aurais dû faire la fibre avant. C'est un peu stupide, c'est un peu stupide d'être parti alors que l'inventaire était plein. Source, voilà, maille fibre. Ça, on en fait normalement. Il nous manquerait juste le plomb. Vraiment, il nous manquerait juste le plomb pour pouvoir faire quelque chose avec. Alors, par contre, clic gauche, la souris, mais ça, j'en ai. Je vais pas en avoir besoin plus que ça après. Voilà, bah, il est pourri. Allez, son. Je peux pas jeter. Pas jeter. D'accord, je ne peux pas le jeter. Je vais garder ça là-dedans. Le air sac, je peux en créer. Je peux faire de l'eau avec. J'en ai de toute façon besoin. Et il me faut. Alors, l'eau, c'est bon. La bouffe, on va manger un petit peu. C'est parfait. Qu'est-ce qui me manque réellement? Là, on va aller dehors. Voilà, ça, on l'enlève. Bah là, ça va être vraiment de la recherche. Il va falloir de la recherche de minerais. Parce que si je veux encore faire des piles ou si je veux faire autre chose. Ouais, mais c'est pas possible. T'es obligé de venir là, toi. Mais c'est pas possible. C'est pas permis, ça. Viens là, toi. Parce que si après j'ai besoin d'eau. C'est la en fait je bouge tellement vite en fait que la map elle a même pas le temps de se générer. Donc j'ai forcément des freezes. Alors je rappelle quand même, ça reste une bêta, hein. Donc forcément il y a encore quelques petits problèmes, quelques petits soucis à ce niveau. Hop là, ça c'est magique. Un petit plein s'il te plaît d'oxygène, ce serait super. Magnifique. Peut-être descendre un peu plus. Mais si je descends par là. Tiens, là il y a un truc. Voilà. Vous m'énervez avec vos trucs toxiques. Morceau de calcaire. D'accord. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Du titane. Le dépôt de sel, ça c'est les trucs classiques un petit peu. Ils sont bizarres ces poissons là. Des garifish. Je peux te choper. Choper. Il y a pas une grotte. Radiation. Oh là, il faut que je me casse. Oh là 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 là, il faut que je me barre. Je peux pas trop m'approcher, je crois qu'on allait vers l'aurora là. Enfin quoi qu'il y a certaines. Il y a certains endroits vraiment qui sont soumis aux radiations. Et j'ai pas intérêt à trop m'en approcher, sinon c'est la mort assurée. Regarde, je suis déjà à 92 de santé quoi. Hop là, attrapé.
92 de santé, alors je suis à peine resté quelques instants dedans, hein, c'est... Caution, 30 Oups, seconds of oxygen ouais, voilà ça. remaining. Je vais rester là un petit moment. Voilà, merci. C'est vrai que là je suis pas remonté à la surface depuis un bout de temps. Heureusement qu'il y a ces fameux trucs, hein, ça. C'est indispensable. Corail, cerveau violet. Voilà, c'est... Allez, on régénère complètement. Ouais, c'est bon. Allez. Il y a une petite grotte là. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes dedans? Non, pas plus que ça. Ah ah ah, quoique si. Alors, à savoir qu'il y a ces choses là. Et merde. Oui. Haha. Génial. Alors cette chose, génial. On va pouvoir faire la soudeuse. C'était la soudeuse ou je sais plus trop quoi qu'on pouvait faire. Mais ça franchement, alors, dès que vous en trouvez un, à la suite de ça, détruisez-le. Franchement, ça vous sauvera la vie. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ah, on a un truc bien sympa. Bon, on va descendre, on va bien voir. Hein. Rien de bien particulier en réalité. Mis à part une petite grotte, bon c'est... Radiation détectée. Ah merde, j'ai pas fait attention. Aïe 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 aïe. Ouh ça pique, ouh ça pique. Là là, il y en avait un autre. Oh, un œuf de poids. Oh, saloperie. Viens là, je vais te montrer moi. Oh, ils sont deux. Ah, ils sont trois, quatre. Ah, mais ils sont cinglés. On va détruire ça. Voilà. Purée, j'ai failli mourir là. Là, je suis très très bas en vie. Hein. Oh là 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 là. Ah bah, ça m'apprendra. Hein. Alors, Siglite. On avait fait pas mal de choses. Normalement, il devrait y avoir des. D'autres trucs sympas, non? Siglite encore. Ah, y'a rien de. Y'a rien d'utile là, c'est bizarre. J'ai morflé là. Là pour le coup, j'ai bien morflé. Alors, je vais retourner à la nacelle. Je vais voir ce que je peux faire de ce que je viens de choper. Normalement, on doit avoir fait. Alors, de l'eau. L'air sac, on l'utilise obligatoirement pour l'eau parce que l'eau, ça va être super important. Le pepper cuit, lui, il est extrêmement bon. Alors, il est extrêmement bon parce qu'il donne énormément de nourriture. Et lui, je pense que je vais le saler. Voilà. Parfait. Ok. Alors, voyons voir. Comme je disais, lui, voilà, 32 et voilà, il est très très pratique. Parfait. Lui, voilà, bon, il donne pas tellement, mais ça reste ça. Un œuf de poisson explosif. Ça, j'ai intérêt à faire attention à ça. Je vais pouvoir me soigner, forcément. J'en ai bien besoin. Ok, donc, j'ai du cuivre, j'ai de la maille, de fibres. Qu'est-ce que je peux faire de sympa? Il me manque du plomb. Là, le plomb, ça, c'était normal. Le fil d'Ariane, ça, ce n'est pas grave, j'en aurais pas tellement besoin. La soudeuse, il me manque du magnésium. Donc, magnésium, il me faut... Des dépôts de sel. Dépôts de sel, je crois que j'ai encore un dépôt de sel quelque part ici. Minerai d'argent. Non, j'ai pas de dépôt de sel. Bon, il y en a partout. Merci. Il y en a partout. On va aller chercher ça. Faudrait pas faire trop de kilomètres pour aller trouver un dépôt de sel, quoi. Du sel, du sel, du sel. On l'a pas trouvé quelque part dans ce secteur là. Du sel, du sel. Non, y a rien. On remonte. Je devrais en trouver facilement normalement. C'est pas le truc qui manque quoi.
C'est quoi ce délire? J'en trouve déjà plus. Ah bon, voilà. Difficilement repérable. Ok, du sel. Du sel. Tiens. Alors, non, je vais pas prendre les œufs tout de suite. J'en ai pas besoin. Pas maintenant. Alors, je vais prendre du quartz parce que je pense que ça, j'en aurais besoin pour faire mes bases. Faire ma base. J'ai déjà pas mal de... du cuivre, yes. Pour faire ma base, j'aurais besoin de pas mal de quartz. J'aurais besoin de beaucoup, beaucoup de titane, surtout. Parce que si on veut... du plomb, super, je peux faire ma combinaison. Ah, ça, encore du minerai. Oh, c'est génial. Ça va. Allez, je peux encore prendre un truc. Ça va être du quartz. Allez. En avant, on retourne à la capsule. Mais avant ça, on retourne à la surface. Donc au moins on aura déjà fait. Alors là c'était vraiment que de la récolte. On n'a pas fait tellement de craft. Là je pourrais aussi également faire la soudeuse. Donc qui dit la soudeuse, on aura forcément réussi à faire à réparer la capsule. Si la capsule est réparée, on peut lancer un SOS. Voyons voir. Alors ça, déjà créé le magnésium. Magnésium créé, c'est magnifique. On va créer du verre. Ouais. On crée toujours un petit peu de verre parce que de toute façon on en aura besoin. Encore un. On s'arrête là-dessus. Alors, tac, tac. Maintenant, du plomb. Alors là, j'ai un plomb sur moi. Le deuxième, il est ici. Voilà. Et de ce fait, bah, je peux créer ma combinaison et je peux en changer. Alors ça, c'est génial. Parce qu'au moins avec ça, je suis sûr que là les radiations ne me feront plus rien. Je serai tranquille. Hop là, magnifique. Donc là on a tout, hein. On a la panoplie complète. Donc toute la combinaison est équipée. Mettez-moi ça, on est rééquipé. Voilà, magique. On ne demandait que ça. Ensuite, on avait besoin donc des outils. Outils, la soudeuse et surtout ce qu'il faudra impérativement, c'est ceci. Constructeur d'habitat. Alors circuit intégré. Circuit intégré. Minerai d'argent, on en a. Échantillon de corail plat, on en a. Bah, en fait c'est bon, je peux le faire. C'est génial. Bah ouais, il me manque juste. Alors pour la pile, il me manque quoi? Pour faire une pile, il me manque juste des champignons acides, j'en ai un là. Ah, il m'en manquait, je vais aller en chercher avant. Donc déjà, champignons acides, on va en prendre plusieurs. 1, 2, 3 pour l'instant. Et il nous manquait quoi? J'avais pas vu, je m'en souviens déjà plus alors. Il manquait autre chose, donc si on a fait... l'échantillon de corail plat. J'ai oublié ça. L'échantillon de corail plat. Oui, on a compris. Échantillon de corail plat. Échantillon de corail plat, les voilà. Donc ça, ce qui est chiant en fait, c'est qu'il faut prendre forcément le couteau. Faut forcément couper. Voilà. Tac. Si on va les... j'avais oublié qu'on pouvait faire la recherche dessus. Hop là. On est bon. Ok, une fois que ça c'est fait. Là il y a un petit dépôt de sel. Encore un petit peu de truc intéressant. Là on a encore un truc pour les panneaux solaires. Voilà. Mais franchement on est vraiment plus du tout embêté pour les radiations. Ça c'est le must. J'ai perdu. Ah voilà. Dire merde, j'ai perdu mon... ma nacelle. J'aurais eu l'air con. Alors, c'est reparti. Donc, alors circuit intégré. Minerai d'argent. Minerai d'argent, j'en ai là-dedans. Et encore heureux pour moi, je peux facilement me séparer de quelques trucs sur tout ça. Voilà. Donc, hop, hop, le circuit intégré.
Une fois qu'on a le circuit intégré, on peut donc aller dans Personnel, on peut créer le constructeur d'habitat. Le constructeur d'habitat, une fois en main, et ben là, ça va comment on va commencer vraiment le sérieux. On va rentrer dans le vif du sujet et ça va être bon. Ok, donc là, j'ai réussi à avoir le constructeur d'habitat qui va être qui va être vraiment le truc ultime. Et la fameuse soudeuse, voilà, donc là j'ai la soudeuse à portée de main et je vais pouvoir tout réparer sans problème. Donc c'est parti, réparation en cours. Youhou! Ah voilà, on a réparé. Ah d'accord, ok, donc en fait ça fait beaucoup d'heures. Alors, on est dans le LifePod 8. Demande une assistance immédiate. On a été aussi touché par les radiations, par un haut taux de radiation qui a obligé à désembarquer. Il y a manifestement 5 pods. Oui, non, 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 j'ai pas tout suivi. Mon anglais est vraiment merdique, hein. Bon, vraiment, je suis pourri à ce niveau-là. Il y a encore un message? Le LifePod 7. Ok. Il y a eu un message du LifePod 7. Donc, j'ai le signal. Et donc, LifePod 8, il est là. Et le LifePod 7. Attends. Bah, LifePod 7 il est là, LifePod 8 il est là. Ok. Ah donc je peux carrément avoir des signaux, mais c'est génial. Ok. Il y a un truc volant, moi bah, c'est pas grave. Bon voilà, alors là il me manquera un petit peu d'eau. On va aller peut-être voir si j'en avais pas gardé. J'avais gardé de l'eau je crois. Hein. J'avais pas gardé d'eau. Ça va être la merde. Bref, c'est pas grave. Alors ce qu'on va faire, donc là on a quand même déjà pas mal avancé. Donc prochaine étape de notre petite aventure, ça va surtout être de créer notre base. Déjà là de s'en sortir au niveau de l'eau et de l'hydratation parce qu'on va être vraiment à court. Et sinon, voilà, ça, je vais mettre pause parce que là je suis déjà à 15. Ça va très très vite, ça descend extrêmement vite. On va essayer donc dans la foulée de se remettre un petit peu dans le. Dans le côté survie, parce que là on a fait beaucoup beaucoup de récoltes, on a négligé le fait de manger et de boire. Enfin, j'ai surtout négligé ça. Mais voilà. Donc on va commencer donc les prochains objectifs, donc des prochains épisodes. Création de la base. On va essayer de se mettre un maximum de choses à l'intérieur et essayer de créer le fameux Siglides qui nous permettra d'avancer un tout petit peu plus vite et de faire des récoltes un petit peu plus rapides. Ça nous permettra aussi d'échapper peut-être à la mort. Enfin, on l'espère. Et on ira à l'exploration. Donc, j'espère qu'on arrivera à le faire dans l'épisode d'ailleurs. À l'exploration donc du LifePod 7 et du LifePod 8. Donc, tout ça sera dans l'épisode 3. Et sur ce, je vous souhaite à tous de très bons jeux. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode. On était un peu rapide, hein, très très rapide. On n'a pas arrêté de récolter et de crafter. Sur ce, bah voilà, je vous souhaite encore à tous de très très bons jeux. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures sur Subnautica. Ciao tout le monde!